Bonsoir, bienvenue, chers amis, chers frères, chers sœurs de cœur. C'est un moment très particulier ce soir pour nous tous, car c'est la Journée internationale de la paix. Au nom du Rotary International, district 1660, et de son gouverneur, au nom de tous les membres du district 1660, au nom du président de la synagogue, Jacques-Yves Bobot, son grand rabbin, Haïm Torjman, à qui j'aurai le bonheur de vous accompagner ce soir, et mes collègues de la commission administrative de Nazareth, ainsi que ses fidèles, nous sommes heureux de vous accueillir dans la grande synagogue de Nazareth, qui fête également son bicentenaire. C'est un lieu assez particulier et magique parce qu'il a une histoire. Pendant les interventions, je me permettrai de vous parler un peu de l'histoire de Nazareth. Vous êtes peut-être assis dans une classe où était un président ou un futur président, ou bien Offenbach, car Offenbach a été le premier maître de musique de cette synagogue. Cette synagogue a été fondée, entre autres, par l'arrière-grand-père de Marcel Proust et de nombreuses personnalités artistiques, pour ceux qui connaissent Rachel, Sarah Bernard, ont fréquenté cette synagogue. Cette synagogue qui fête donc son bicentenaire et qui a voulu être un endroit tout particulier en termes de culture et de passage de témoins, quelle que soit, je veux dire, sa religion. Ça a été la première synagogue qui a possédé un orgue, qu'on appelle également l'orgue Offenbach. C'est pas à moi de parler ce soir, on a de prestigieux intervenants que je remercie d'être présents. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement le président du Consistoire central qui normalement ne devait pas venir et qui a quand même voulu être avec nous tous pour ce moment très particulier. Et je tiens à le remercier tout particulièrement. Et je tiens aussi à remercier M. Bord et M. Mergui pour avoir pu faire en sorte que cette soirée se réalise. Merci, merci vraiment beaucoup Joël. Merci beaucoup au Rotary. Et j'ai le plaisir de donner la parole maintenant à Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, Île-de-France, et également président d'honneur du Consistoire central. Joël, à toi. Merci. Merci beaucoup Alain, merci à toutes et à tous. La synagogue est dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah et Kippour, elle est pleine comme un soir de Kippour. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est le jour où la synagogue, où nos synagogues sont pleines, donc c'est comme une répétition. Ce soir, donc on est très heureux de vous accueillir aussi nombreux dans la grande synagogue Notre-Dame de Nazareth qui fête cette année son bicentenaire. C'est dire l'importance pour nous d'organiser cet événement ici. Je voudrais vraiment remercier le Rotary, le gouverneur qui est là avec nous, les gouverneurs qui sont là, puisqu'il y a deux gouverneurs concurrents et voisins qui sont ici et qui représentent Paris. Je vous remercie d'avoir pris cette initiative, d'avoir accompagné, d'être ici. On avait organisé ensemble l'événement il y a un certain nombre d'années, c'était dans un ministère, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une synagogue, c'est dire comme la République est vaste et combien les lieux qui sont rattachés à notre pays sont variés, mais en espérant qu'ils diffusent tous le même message. Je voudrais remercier bien entendu le grand rabbin de France, le rabbin de la synagogue, le président du Consistoire central, tous nos invités qui prendront la parole, et particulièrement aussi le chef du bureau central des cultes qui représente ici le ministère de l'Intérieur, nos représentants de l'ensemble des cultes qui sont ici, que ce soit le culte catholique, le culte protestant ou le culte musulman. Je pense que c'est une soirée
de fraternité, c'est une soirée d'amitié, c'est une soirée républicaine. Alors je dirais simplement quelques mots, vu la qualité des intervenants, c'était quelques mots pour vous accueillir, pour vous dire le bonheur de nous retrouver, pour vous redire que ce qui caractérise le consistoire, c'est religion et patrie. Ce sont les mots qui sont depuis la création du consistoire par Napoléon il y a 210 ans. C'était les mots qui caractérisent notre institution, qui l'ont toujours caractérisé, quelles que soient les vicissitudes, comme on peut le dire, de l'histoire que nous avons pu connaître dans notre pays, les moments difficiles, les moments moins difficiles. La notion de religion, elle est toujours importante dans une synagogue, mais la notion de patrie, elle a toujours été également fondamentale. Et quand on dit patrie, on pense à, bien entendu, à la République, et quand on pense à la République, on pense à la fraternité. Donc c'est un peu le thème de la soirée, qui est le lien avec ce que nous portons comme message. Je voudrais simplement dire, dans l'amitié que nous pouvons avoir, dans les relations que nous pouvons avoir avec l'ensemble des cultes et qui sont régulières et permanentes, cette notion de fraternité est essentielle, cette notion de main tendue. Et je pense que nous vivons dans une société où les combats que nous devons mener contre la haine, contre l'exclusion, contre l'indifférence, font que les points communs qui rejoignent les messages religieux, les messages sincères des différentes religions, sont essentiels pour pouvoir traverser les différentes crises. Alors, on est dans une semaine, une journée de la paix. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec les menaces que nous entendons et que nous suivons depuis plusieurs mois, la notion de paix a encore plus de résonance dans nos cœurs et dans nos esprits. Et je pense que ce que nous essayons d'apporter les uns et les autres, les unes et les autres, dans notre société, c'est effectivement cette notion de paix chère au judaïsme. Quand on se dit bonjour dans le judaïsme, on se dit shalom, c'est dire combien le message de paix est essentiel. Il a traversé notre histoire. Dans toute notre histoire, nous avons reconnu l'importance de la religion comme respect de l'État, la loi du pays. La loi du pays et la loi, ça a toujours fait partie de l'éthique juive, et de l'éthique juive également, de faire en sorte de prier pour la paix, de prier pour que les pays dans lesquels nous vivons à travers le monde puissent vivre en paix. Je pense que c'est un fondement même de notre religion, et c'est un fondement des religions. Voilà, je voulais simplement, en vous accueillant, adresser ces quelques messages et laisser la parole aux différents intervenants dans ce magnifique lieu. Et je crois que c'est une belle chose que dans cette synagogue qui a été, comme ça a été rappelé, la première synagogue de consistoire, c'était le siège d'ailleurs pendant un certain nombre d'années du consistoire de Paris et du consistoire de France, et ça a été que dans cette synagogue, on a une soirée œcuménique à quelques jours du Nouvel An juif, dans un moment difficile que vit notre pays et que vit le monde. Je pense que c'est le meilleur des messages d'espoir que nous pouvions avoir. Et je remercie tous les organisateurs, en particulier Alain Krief et le Rotary, qui est la première organisation non gouvernementale mondiale. Et je suis très honoré de vous avoir avec nous. Je passe tout de suite la parole au gouverneur du Rotary pour venir vous adresser son message. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous et bienvenue. Monsieur le Président du Consistoire de Paris, mon cher Joël, c'est vrai qu'on se retrouve à peu près tous les 10 ans pour de grandes manifestations. Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur Monseigneur Verny, évêque auxiliaire de Paris, Monsieur le Président de la Fondation de l'Islam de France, Monsieur le Directeur Général de l'Institut Élie Wiesel, Monsieur le Coordinateur du Rotary International, Monsieur le chef du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, et vous tous. Merci d'avoir répondu ce soir à notre invitation de commémoration de la paix
et d'avoir franchi les portes de ce lieu magique et symbolique. La paix, ce concept très général qui, selon le dictionnaire, définit un état de calme et de tranquillité, sans trouble, sans guerre, sans conflit, est probablement un idéal que nous avons oublié depuis longtemps. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu autant de guerres, autant de conflits, autant de coups d'État, autant de troubles de toute nature, partout et sur tous les continents. L'homme a tendance à disparaître. Il est englouti par les agressivités, les jalousies, les envies, bref, les maux de toute nature. C'est toujours meurtri et affaibli qu'il ressort des conflits incessants et on peine à réparer au quotidien les dommages humains et matériels toujours et sans cesse de plus en plus lourds. Depuis 1968, au sein de l'Église catholique, apostolique et romaine, si mes souvenirs sont bons, le pape Paul VI avait institué une journée de prière intitulée Journée mondiale de la paix. Mais c'est depuis 2002 que l'ONU a organisé une journée internationale de la paix chaque 21 septembre. Alors, pourquoi ai-je imaginé, il y a 3 ans, nous réunir aujourd'hui ? Je me suis souvenu qu'on attribuait à André Malraux la phrase « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Quelle portée dans ces mots ? Quelle espérance aussi ? Il appartient à des organisations comme la mienne, le Rotary International, de militer en faveur d'une cause si juste et si malmenée, de nous rappeler que la paix est bien fragile et partout en danger, que les populations civiles sont toujours les plus exposées au drame des conflits. Le Rotary n'entend pas apporter la solution, mais une solution, car il constitue une voie de réalisation apolitique, asyndicale, areligieuse, mais toujours empreinte d'un humanisme viscéral. Cet humanisme est toujours au service, dans l'amitié. Un homme, Polaris, visionnaire s'il en est, et fondateur du Rotary International en 1905, a initié une forme de pensée très originale pour l'époque, mais tellement vraie et tellement humaniste. Le but du Rotary, c'est mettre à profit les relations et les contacts pour servir l'intérêt général. C'est observer des règles de probité dans l'exercice de toute profession. C'est appliquer cet idéal de servir dans la vie privée, professionnel et public, mais c'est aussi et surtout faire progresser l'entente entre les peuples, l'altruisme et le respect de la paix par le biais de toutes nos relations amicales entre toutes les mêmes professions animées par un idéal, celui de servir. Il a initié ce que nous appelons dans notre jargon le critère des 4 questions. Est-ce vrai ? Est-ce juste ? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié ? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? Alors oui, je crois dans les forces de l'esprit. Et c'est ce qui nous rassemble tous ce soir. Je crois dans une paix qui est celle du monde. Dans une paix qui est celle de nos pays, de nos
nos familles, et surtout dans la paix de notre cœur, notre paix intérieure, pour mieux être en paix avec les autres. C'est pourquoi je suis persuadé que tous ensemble, réunis, nous pourrons apporter une réponse aux égoïsmes surdimensionnés et au matérialisme exacerbé. J'ai dit. Il m'appartient à présent aussi de saluer l'ensemble des personnalités, à la fois civiles, religieuses, et bien sûr aussi tous les participants qui ont répondu à cette invitation. Il y avait un jour un élève qui dit à son maître « Je souhaiterais réaliser la paix dans le monde. » Voilà que le maître lui dit « C'est un projet ô combien ambitieux et audacieux. » Et il lui dit « Bon, tu m'en rendras compte. » Quelque temps plus tard, il revient me voir et lui dit « Ami, je n'ai pas pu réussir. » Il me dit « Peut-être, essaie de voir dans une autre sphère. » Il lui dit « Je vais tenter de le faire au niveau de mon peuple. » Voici que, à nouveau, il revient voir son maître et lui dit « Je n'ai pas réussi ma mission. » Il lui dit « Peut-être, essaies-tu dans ta famille. » Il revient et dit « Ami, c'était trop difficile, je ne suis pas parvenu. » Alors il m'a dit, peut-être n'as-tu pas commencé par toi-même. Je crois que c'est la question aussi qu'il me faut poser. Vous savez, quand je tends un doigt accusateur, il y a trois doigts qui sont dirigés vers moi. Ça veut dire en d'autres termes que nous avons le devoir, l'obligation de dire, il ne faut pas seulement penser que les autres ont tort, mais il faut essayer de voir quels sont nos torts, quelles sont nos responsabilités, quelle est notre vocation, quelles sont nos capacités de pouvoir justement transmettre le message de la paix. Et je voulais citer le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui a dit « Plus que tout, l'éthique est une façon d'envisager l'autre comme ayant autant, au moins, autant de droits que moi. Ce qui me force à me mettre à sa place et de m'asseoir pour m'ouvrir au monde des potentialités. » Nous invitons donc M. le grand rabbin de France, Haïm Korsia, à me livrer son message de paix. Mes chers amis, c'est après cette présentation, maintenant je suis cité comme Victor Hugo, et ça me touche. Parce que j'ai la conviction que ce que nous allons partager ici, et c'est ce que le Rotary essaie de construire, c'est que la paix, c'est un très beau concept, mais il faut lui donner des réalisations concrètes. J'ai toujours aimé cette façon de construire des possibles. Qu'est-ce que la paix dans la société ? Aujourd'hui, c'est le principe de la laïcité. Aucune paix ne peut se construire s'il n'y a pas le respect des différences. Tout le principe de laïcité en France, et je le dis sous le contrôle attentif du chef du bureau central des cultes, parce que cet objectif de vivre la laïcité n'est jamais un principe qui consiste à oblitérer les religions, les différences religieuses dans la sphère publique, dans l'État. L'État est neutre, mais il y a dans la société en France la liberté de pratique religieuse. C'est cette laïcité qui nous garantit notre possibilité de vivre avec les personnes de cultes différents ou sans religion, mais capable de s'engager pour suivre une forme d'humanisme. Regardez, nous sommes divers responsables de cultes différents. En fait, nous sommes différents et nous sommes en équité. Sans la laïcité, pourquoi les plus nombreux parleraient aux moins nombreux ? Dans les moins nombreux, j'ai une mauvaise nouvelle pour les juifs. Nous sommes le plus petit des peuples, comme le dit la Bible. Donc, pourquoi discuter avec les autres si chacun estime qu'il a raison ? Là, chacun estime que l'autre a le droit d'exprimer ce qu'il est et ce qu'il pense. C'est le rêve de la laïcité. Et la paix sociale dans une société, c'est lorsqu'on considère que ma vérité, elle est valable pour moi et je ne peux pas l'imposer aux autres. C'est le principe de laïcité, je répète, neutralité de l'État et liberté de pratique religieuse. J'ajoute un troisième point essentiel.
Et nous en ouvrions d'ailleurs avec le président de Conservatoire, Nathalie Corchère, qui vous l'expliquerait bien mieux que moi, parce que c'est lui qui a négocié cela avec le ministre ce matin. C'est que, vous voyez, ce bâtiment magnifique, cette synagogue somptueuse, que j'aime tant, je l'aime parce que je l'aime, parce que j'aime son rabbin, et j'aime tous les administrateurs qui servent cette communauté, et parce que c'était la première synagogue parisienne du grand rabbin Kaplan. Jeune rabbin, Primulus, il est arrivé à Nazareth, et d'ailleurs avec le président Jacques Bobot et le rabbin Montifère aussi, nous avions mis le portrait du grand rabbin Kaplan dans la salle d'honneur. Vous pouvez, en sortant, à gauche, vous pourrez voir le portrait du grand rabbin Kaplan. Cette synagogue, si vous faites un don à la fondation du judaïsme français, ou à la fondation du patrimoine juif de France, un don donc défiscalisé, on pourra entretenir ce bâtiment. Et voilà que des interprètes, non pas talmudistes, parce qu'ils auraient une finesse du Talmud, des interprètes inconséquents, estiment qu'on ne peut pas, avec ces dons défiscalisés, entretenir ce bâtiment. Mais ce bâtiment, est-ce qu'il est une richesse pour le judaïsme ou une richesse pour la France? C'est manifestement un témoignage d'architecture d'une époque, une magnificence qu'on voulait attribuer au lieu de culte. Et plus largement, quand vous faites, par exemple, mes amis, quand vous faites un don au Secours catholique, au Secours musulman, vous faites un don quasi palosé, une œuvre sociale, ou même à votre lieu de culte, l'État défiscalise cette somme. Pourquoi? Parce que l'État, sans reconnaître les cultes, sait tout le bien que les cultes font, écoutez bien le mot, pour l'intérêt général. Tout ce qui œuvre pour l'intérêt général contribue à la paix sociale. Maintenant, je vais vous donner une interprétation, et je fais attention parce qu'avec le conseiller Verny, qui est un fin lettré, on pourra répondre ce qui parle après moi. Dans la messe, il y a toujours quelque chose qui m'a gêné. Voilà, je vous le dis. Parce que je m'intéresse à la messe, je fais du benchmark. À la fin de la messe, on dit « Allez dans la paix ». Or, tout le protocole de la messe a été fondé sur les traditions juives, et le Talmud nous apprend la chose suivante. Chaque fois qu'on a dit à quelqu'un « Va dans la paix », ça a mal fini. Comme Absalom, par exemple. D'ailleurs, en français, c'est magnifique. Quand vous dites de quelqu'un qui réside en paix, en général, c'est définitif. Il repose en paix, ah, c'est réglé. En revanche, le Talmud continue en disant « Mais quiconque a été béni par la prière, l'air, les chalons, va vers la paix, comme c'est le cas avec le roi David, alors son projet va réussir. » Et je dis donc, dans cette réflexion autour de la paix, que si nous nous enfermons dans l'idée d'aller dans la paix, de trouver la paix, imaginons qu'on atteigne cette paix, on ne touchera plus rien de peur de changer la situation. La seule chose à faire pour la paix, c'est l'avoir comme horizon. Il n'y a jamais assez de paix. Regardez, ce que vous avez proposé dans votre introduction qui était remarquable, c'est de dire, comment on fait pour lutter pour la paix? On organise des groupes de parole. C'est simple, la paix, la guerre. Lorsque Cain tue Abel, tout début de la Genèse, c'est parce qu'ils arrêtent de se parler. Lorsque les humains, les personnes, les sociétés, les groupes humains arrêtent de se parler, d'échanger, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, c'est la fin. La seule solution, c'est la violence. Interrogeons-nous pourquoi il y a tant de violence dans la société. Regardez les débats télévisés. Il n'y a pas de débat. Débat télévisé, c'est faux. Il y a quelqu'un qui veut tuer l'autre en face, il a bossé avec des conseillers en communication, la phrase qui tue, à un moment il la place, et 15 secondes après c'est l'autre en face de lui qui lui place la phrase qui tue. Aucune vocation de s'entendre, aucune vocation de laisser mourir une part de sa vérité pour laisser la place à la vérité. Donc qu'est-ce que la paix? C'est un objectif. On n'est jamais dans la paix, parce que lorsqu'on est dans la paix, on arrive à quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche d'espérer. Or, notre société aujourd'hui a besoin d'espérance. Qu'est-ce que la paix? C'est pas une situation extraordinaire, c'est une situation de venir. On va poser la question juste avant
de vous rejoindre, j'étais à la radio. Quel vœu j'ai pour l'année qui vient, alors que la situation est catastrophique, on parle de guerre, mobilisation par-ci, mobilisation par-là, utilisation de petites armes, on parle de ce qu'on veut, allumer la radio, vous l'avez fait 5 minutes et vous avez compris. Moi je dis, mais si on ne se base, on ne se fonde que sur les deux objectifs du monde, et qu'il n'y a pas ce rêve, alors il n'y a pas de vie. La réalité de l'espérance, c'est d'espérer toujours transformer le monde et ne pas le voir simplement tel qu'il est. Or, la paix, la recherche de paix, regardez comment elle est inscrite dans la Bible. Lorsque Aaron est défini comme l'homme de paix, mais c'est quoi l'homme de paix? C'est Oev Shalom, il aime la paix. Ça, on peut le partager. Rodef Shalom, il court après la paix, il ne l'attend jamais. Il court après, il en fait son objectif. Mekarev et Tabaniot, comment il organise le fait de courir après la paix? Il rapproche les points de vue. Vous bagarrez quelqu'un, ça arrive. Je vais vous faire de la peine. Ça m'arrive, même à moi. On se bagarre, ça peut arriver. Mais après, on ne va pas s'enfermer toute la vie, comme dans Astérix. Corse, on ne sait plus pourquoi il se bagarre, mais on sait que c'est grave. Mais la vie, c'est l'inverse. La vie, c'est être capable de dire, moi, j'ai une volonté de paix, et donc je vais aller vers. Et vers la paix, c'est aller vers l'autre. C'est-à-dire retrouver la dignité de l'autre en se disant, mais après tout, il a peut-être des raisons. Je l'ai peut-être mal compris. Il y a eu, ce qu'on appelle en hébreu, j'adore cette formulation, Mars et Satan. Comme si le Satan essayait de monter les uns contre les autres, de faire des choses inconcevables, inimaginables. Mais la force, le moteur de la paix, l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui peut transformer le monde. Regardez par exemple les grands leaders du monde dont les visages continuent à nous illuminer, sont des personnes qui, du cœur de l'obscurité, comme le dit le psaume, de l'enfermement, arrivent à tendre la main à ceux qui étaient leurs amis quelque temps. Pensons à la force symbolique des retrouvailles entre Français et les Allemands tout au long de notre histoire. Ces images du président, du chancelier main dans la main, affrontant les vicissitudes du passé, les affrontements passés, mais se tournant vers l'avenir. Voilà ce qu'est la paix. C'est en fait une direction. Et quand je parle de laïcité comme ferment de la paix, en particulier en France, parce que c'est le génie français à l'état pur, parce que qu'est-ce que le génie dans la République? C'est personne n'est sommé de choisir entre sa foi et sa citoyenneté. Parce que la citoyenneté intègre le fait que la foi des uns et des autres peut être un plus, un avantage pour l'ensemble de la société. Une société qui manque de transcendance ne peut pas se priver de la part de transcendance portée par celles et ceux qui croient. Bien entendu, cette transcendance, elle peut aussi être une transcendance humaniste, portée par aucune aspiration religieuse. Mais quand elle est doublement portée, et par une aspiration humaniste, et par une aspiration religieuse, alors elle converge, et si j'ai cité le grand Macapelin tout à l'heure, c'est parce que lui portait, de mon point de vue, cette absolue et parfaite convergence de la vocation du judaïsme et de la vocation de la France. Dans nos synagogues, celle-ci évidemment comme toutes les synagogues de France, nous récitons le samedi la prière pour la République. Nous prions pour la République, pour la paix dans la société, comme un objectif, pour la justice. Nous prions pour la capacité du droit de rester comme le fondement même de notre société. Et nous prions aussi pour quelque chose qui est essentiel, qui est l'engagement. Et voilà pourquoi j'ai évidemment répondu présent, parce que Alain proposait de faire une réflexion avec vous. Et que derrière le Rotary, pour moi, il y a ces engagements qui font qu'il y a deux façons d'être dans la société. Soit vous consommez ce que d'autres produisent. Et croyez-moi, il y a beaucoup de consommateurs de ce que beaucoup produisent. Soit vous êtes l'un des producteurs. Et alors vous êtes responsable. Et je pense qu'on existe lorsqu'on est responsable. S'engager dans un projet quel qu'il soit, c'est pleinement exister. Non pas simplement être parce qu'on est là. Mais c'est exister, c'est-à-dire réparer le monde, faire ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde. Je vais conclure avec deux petites réflexions. La première, c'est que cette laïcité se fonde sur un immense et profond respect de ce qu'est la dignité humaine. Parce que, au fond, c'est une façon de dire, quelqu'un vit différemment de moi, mais je veux qu'il vive avec moi. Parce que rien n'est pire dans un système social, rien, que la pulsion d'uniformité.
Or, le mot le plus opposé à uniformité, c'est unité. Unité, c'est tous différents mais ensemble. Uniforme, c'est tous les mêmes. Or, personne n'est exactement le même. Prenez par exemple, mon stylo. Stylo, le voilà. Bien, c'est un stylo. Monsieur a peut-être un stylo sur vous. Est-ce que vous avez un stylo sur vous? Vous êtes la troisième personne à un stylo sur vous. On va trouver quelqu'un qui a un stylo. Trouvez-moi un stylo. À l'un de votre stylo. Pardon? Voilà. Je prends le sujet du monsieur, j'ai sorti un temps. Regardez. Dans le chien, il est peut-être mieux. Regardez ce stylo. Voilà un stylo, formidable. Voilà un autre stylo, formidable. Donc deux stylos en main. Formidable et formidable. Sauf que ce sont deux stylos, mais ils sont différents. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes les mêmes, parce que nous sommes humains, frères et sœurs en humanité, et pourtant nous sommes différents. C'est le mystère contenu dans l'idée que nous sommes à l'image de Dieu. Mais comme nous sommes chacun et chacune à l'image de Dieu, donc par la loi de la transitivité qui veut que si A égale B, et B égale C, donc A égale C, si je suis à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de Dieu, nous sommes tous et toutes à l'image de Dieu, nous sommes donc tous et toutes les mêmes, formidable. Mais puisque nous sommes à l'image de Dieu qui est unique, nous sommes donc tous uniques, nous sommes les mêmes et uniques, comme les deux stylos. Ce sont deux stylos, mais ils sont différents. Nous sommes tous humains, et en France, ici, nous sommes tous français, citoyens, ce qui est le plus beau des titres. Et en même temps, nous sommes tous différents, avec nos particularités. C'est la laïcité qui nous permet de conjuguer tout ce que nous sommes, toutes les différences, et de nous proposer l'unité. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas récent. Bien sûr, c'est la loi de 1905. Je ne ferai pas bondir le chef du bureau des cultes en vous expliquant que c'est déjà ce qui animait probablement le remarquable évêque de Reims lors du baptême de Clovis en 496. Que fait Rémi, évêque de Reims? Pas envie du tout. Clovis n'a sûrement pas envie d'inviter le pape, qui a un pouvoir temporel très fort. Il veut se convertir pour unifier la France. C'est pas compliqué. Rémi est inspiré pendant la nuit. Il lui explique que l'Esprit Saint lui a apporté le Saint-Crème. Donc pour l'onction, ils n'ont plus besoin de faire venir le pape, puisqu'ils ont eu l'Esprit Saint qui est au-dessus. Autrement dit, il invente un concept qui dit on utilise la foi dans ce qu'elle peut apporter comme transcendance pour la société. Mais on ne passe pas sous les fourches codines des religions. Et je voudrais, mes chers amis, essayer de vous convaincre, en tout cas de vous pousser à réfléchir à l'idée que chaque fois que vous vous engagez pour quelqu'un, vous lui apportez une aide, vous ne lui imposez pas vos vues, vous ne lui imposez pas votre foi, vous lui proposez simplement un lien supplémentaire d'humanité, vous construisez des ponts coupés. Moi, j'aime l'idée que définit Rabbi Nachman de Breslav qui dit « Le monde est un pont étroit ». Et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Donc n'ayons pas peur de construire la paix au quotidien. Napoléon III, président des Français, était passé dans la rue de Nazareth. Puis voilà qu'il voit la communauté juive qui sort de la synagogue. Les visages sont tristes. Il se demande qu'est-il arrivé à la communauté. Il demande à son bras droit qu'ont-ils perdu. Il dit non, ils n'ont perdu personne. Il s'agit de la destruction du temple qui a eu lieu il y a 18 siècles. Alors il a répondu, si ce peuple, s'il sait reconnaître son passé, alors il a un avenir. Les hommes de foi sont ceux qui sont toujours rattachés à leurs racines, à leur identité, à leur message, à leur foi, et c'est celle qui les transporte à travers le temps. Et nous allons donc aussi inviter Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, à nous livrer son message, et qui est d'ailleurs très impliqué dans les relations avec le judaïsme. Merci pour votre accueil, merci pour votre invitation. C'est avec humilité que je vais prendre la parole, conscient que la paix est un cadeau que j'ai reçu.
Mes parents me le rappelaient, ils ont passé la guerre à Paris, et ils me le disaient régulièrement, pour les vous recevez ce cadeau des générations qui nous précèdent. Et nous aimons de faire mémoire. Et j'ai en tête, dans mon cœur, la figure de mon oncle, ancien déporté, qui tenait à ce que ses enfants fassent allemand première langue. Et j'étais marqué par ça. Il voulait que ses fils fassent allemand première langue pour pas qu'il y ait des murailles qui se creusent, qui se construisent. Et donc, j'ai une conscience que j'ai reçu quelque chose, la paix. Alors, c'est une responsabilité, en particulier pour nous, religieux. Une responsabilité parce que nous avons conscience que Dieu est la source de la paix et que c'est lui qui nous donne à notre tour d'être artisans de paix à la mesure de nos moyens. Et c'est vrai que pour nous, catholiques, Jésus, chrétiens, Jésus commence son ministère en disant « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». C'est une exigence parfois à contre-temps, et je pense à la communauté de San Egidio, qui, parfois à contre-courant, ne se résout pas à la guerre et au conflit, et devient artisan de paix. Et puis c'est une exigence pour nous, religieux, de prendre conscience et de faire mémoire de ceux qui ont œuvré au milieu du plus profond de la nuit. Des personnes ont été artisans de paix. Combien je reste marqué aussi par la cérémonie dimanche dernier à la synagogue de la Victoire, qui faisait mémoire des victimes de la Shoah et qui rendait hommage aux justes parmi les nations. Ces personnes ont été artisans de paix à leur mesure, qui est immense. Et puis voici que nous nous tournons vers le futur. Puissions-nous retenir les leçons du passé pour pouvoir les transmettre aux nouvelles générations. Et ça, il y a du travail. Il s'agit de ne jamais se reposer. C'est une responsabilité que tous nous avons, tirer les leçons de mémoire du passé pour en tirer les leçons pour le futur. Merci de nous avoir invités ensemble. Nous sommes dans la même barque et c'est ensemble que nous œuvrons. Et me vient à l'esprit ce proverbe africain, si tu veux aller loin, marche avec les autres. Paix, peace, shalom, salem. Je sais que nombreux sont ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, mais je vais vous l'apprendre en quatre lettres. Vous êtes prêts? Vous savez que shalom, ça s'écrit avec un shin. Le shin, c'est comme trois doigts, l'un à côté de l'autre. Alors, parce que vous savez que dans toute querelle, il y a toujours trois versions. La mienne, la tienne et la vérité. Parce qu'en fait, on a une vérité qui est subjective. Alors, effectivement, ce sont les deux antagonistes. Alors, il y a soit la possibilité de réunir les deux extrêmes et de faire une branche centrale, soit on est obligé de faire appel à un agent extérieur, à un médiateur pour réaliser ces lois. La deuxième lettre, oui, vous connaissez déjà une lettre, c'est le lamel. Elle est écrite en trois droites, une oblique, une horizontale et une verticale. En fait, c'est la lettre qui dépasse la ligne supérieure. Elle symbolise quoi ? Cette capacité de l'homme de réaliser le plus grand projet. Dès l'instant où il y a la paix, alors nos enfants sont dans la quiétude. Nous sommes en paix et nous avons la possibilité d'avancer et de réaliser toutes nos ambitions les plus légitimes. Et puis, nous avons après le Vav, c'est accroché. On peut accrocher toutes ces espérances. Et puis enfin, on arrive le même, c'est un carré. C'est-à-dire, c'est un réceptacle qui n'est pas pour eux, qui n'est pas fissuré, mais qui garde la bénédiction. Alors, nous allons rappeler que nous avons parmi nous aussi le président de la Fondation de l'Islam de France, Ghaleb Belcher, et je voudrais le citer avant qu'il nous livre son message. Il faut
faut savoir à un moment donné agir et voir recevoir agissant. Il faut savoir, tout en étant acteur, laisser place à une bonne dose, à la fois de spiritualité et d'intériorité. Monsieur Galamagel. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes frères et mes sœurs en humanité, je n'ai que ces appellatifs pour m'adresser à vous ce soir dans ce beau lieu dédié au culte judaïque. Je suis extrêmement heureux d'être ici, notamment en cette journée dédiée à la paix du 21 septembre. Est une journée consacrée à la paix, mais hasard du calendrier, ou peut-être une volonté délibérée par les instances internationales, aussi bien les Nations Unies que l'Organisation Mondiale de la Santé, il se trouve que ce soir aussi, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et je vois qu'il y a une certaine résonance. Il ne s'agit pas de lutter contre une maladie par une approche une thérapie médicamenteuse contre une maladie neurodégénérative, il faut le faire. Il y a aussi de ne pas accepter l'amnésie de ce qui est essentiel, à savoir que la paix n'est pas simplement un temps de trêve entre deux belligérances. C'est un long processus progressif, positif, dynamique, celui de l'intériorité. Et c'est, je pense, qui nous réunit ce soir, et j'espère que nous partirons en tout cas empreints de cette volonté commune, sous la voûte commune de la laïcité, encore une fois dans ce beau lieu. J'ai cru comprendre que l'articulation est entre aussi la République et la fraternité. Au sein de notre République laïque, nous appartenons tous, comme des citoyens, hommes et femmes, libres à une association politique autofondatrice de sa propre légitimité, sans se référer à un quelconque principe transcendant qui la consacre. C'est peut-être là sa difficulté, et le grand rabbin Haïm Korsian a bien fait savoir. Et nous avons à obéir à la loi commune du droit positif. Je parle de la loi comme une émanation rationnelle des hommes qui s'appliquent aux hommes pour le bien des hommes. Si on n'est pas heureux, on change. Quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes, bien entendu. Mais nous avons besoin aussi d'une mystique républicaine, j'ai envie de dire, pour qu'elle ne se délite pas. Et cette mystique républicaine n'est pas nécessairement religieuse. Elle relève de l'humanisme, un humanisme anthropocentré, un humanisme théocentré. C'est de l'homme dont il s'agit, de tout l'homme, dans cette vision-là. Et donc, la République doit laisser place aussi à des valeurs qui ne relèvent pas du légal. On ne va pas imposer par la loi le fait d'aimer autrui. On ne va pas imposer par la loi la fraternité. Ça devient une adhésion. Et cette adhésion ne peut advenir que par une éducation. Celle d'abord des familles, mais aussi l'instruction. Et ce travail, c'est pour ça que je parle de processus, est important. La responsabilité des hiérarches religieux, des dignitaires, des responsables, et c'est le cas ce soir, mais aussi de quiconque a cette possibilité de préparer des citoyens et de les sensibiliser. C'est en ayant entendu Mgr Verny que je pense à ce mot, le kérigme que nous scandons jusqu'au ressassement, c'est qu'il ne peut pas y avoir une paix juste et durable s'il n'y a pas non plus de l'équité, de la justice, il n'y a pas non plus une volonté d'un développement durable pour tous. Et surtout en ces temps incertains que nous connaissons, et nous qui connaissons maintenant une guerre sur notre propre continent, n'avons pas abdiqué, bien au contraire. Alors votre serviteur est président de la Fondation de l'Islam de France. Islam écrit avec la majuscule, qui renvoie à la civilisation et non pas au culte. Donc à ce sujet-là, je ne suis pas un homme de culte, je suis simplement un citoyen attaché à la laïcité, mais qui œuvre au sein de cette institution à emprunter
ce n'est peut-être pas bien de le dire en ces temps de transition écologique, un moteur à quatre temps, un moteur thermique. Le premier temps, face à la violence, et à la violence aveugle qui se déchaîne au nom du divin, la riposte républicaine, celle-là, sécuritaire et nécessaire. Et nous savons gré à ce qui nous protège, et nous savons gré à ce qui déjoue ces attentats abjects et qui prennent pour cible des êtres, des hommes et des femmes innocents. Et combien même ils ne l'étaient pas, il n'appartient à personne d'agir de la sorte. Bien entendu, ça c'est de la plus haute importance et c'est le premier temps. Mais pour nécessaire qu'elle soit, cette riposte n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc il y a un deuxième temps. C'est celui du, je ne l'appellerai jamais contre-discours, parce que ça fait rappeler qu'il y a de la propagande et qu'il lui faut contre-propagande. J'ai envie de parler d'un discours alternatif, d'une présentation, d'une préparation du citoyen. Et je voudrais vous le dire devant vous, et c'est un engagement solennel. C'est vrai que la Fondation de l'Islam de France n'est pas une institution culturelle, mais elle s'occupe aussi de théologie. Et la prémisse axiologique, l'axiologie s'occupe de l'éthique, des valeurs, des vertus, des principes aussi, mais cette prémisse axiologique, c'est de dire tout ce qui ne concourt pas à la promotion de la dignité humaine, tout ce qui ne garantit pas la liberté de conscience, ce qui ne va pas dans le sens de l'égalité ontologique, foncière, fondamentale et juridique entre les êtres humains, par-delà leur appartenance professionnelle, par-delà leur genre, par-delà leurs options métaphysiques, tout ce qui concourt à sacraliser je ne sais trop quelle violence ne sera pas accepté, et donc l'exégèse des textes sacrés, l'herméneutique, l'interprétation des sources scripturaires doivent être à l'aune de ces prémices que je viens de dire. Et nous nous y engageons et nous mènerons le travail nécessaire. Les chantiers sont titanesques, mais l'homme est le fils de l'adversité et le plus grand voyage commence par un pas. Nous en avons franchi peut-être quelques petites enjambées, mais nous continuerons. Le troisième temps, eh bien, c'est la réponse éducative et culturelle. Il n'y a pas meilleure manière de dérider les crispations identitaires que par la connaissance, par l'ouverture sur le monde, par les humanités, par l'esthétique, par les belles-lettres, par les beaux-arts, par finalement ce qui flatte les sens, mais ça ne suffit pas. Ce qui élève l'âme, ça ne suffit pas peut-être, mais aussi l'intériorité. Intérioriser, bien, cher Rabin Torjman, vous m'avez fait citer, je n'y avais pas pensé, mais vous avez raison, si je puis dire, et j'ajoute, dans des situations de conflit, c'est toujours facile de dire qu'autrui est le responsable du chaos, mais il faut aussi s'interroger en quoi j'y ai participé. Il faut aussi se demander de voir les manquements en soi, chez soi, à la solidarité, à l'éthique, à la responsabilité, à la paix. Et ça, c'est donc le troisième point. Donc la portée éducative est de la plus haute importance. Le dernier point, c'est celui de la République. Et la République se doit à la fois d'être solide, sûre de ses principes, nous la portons tous, et elle doit, parce que je pense à l'œuvre d'Honoré Daumier, je convoque le peintre, j'aurais pu convoquer le caricaturiste aussi, eh bien, quand il a présenté la République sous forme d'une belle femme qui allaite de bébés et un garçonnet à ses pieds, la légende est « La République nourrit et instruit ses enfants ». J'ai envie d'ajouter « La République nourrit, instruit, protège tous ses enfants ». Et ça, ça peut se faire d'une manière en congruence, hommes et femmes de bonne volonté, et au-delà, religion, option métaphysique, Rotary aussi. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons ici ce soir et nous continuerons. C'est ainsi que nous consoliderons et la paix et la fraternité.
Merci. Merci. Mon premier engagement militant a été pour le Rotary, district 1770, et je suis maintenant au 1760, voilà. Puis ensuite, grâce à un monsieur, beaucoup grâce à un monsieur qui s'appelait Jacob Bergui, il m'a ramené sur une voie qui n'était pas forcément évidente pour moi, car ma maman est une enfant miraculée qui a vécu la Shoah. Et cette soirée est toute particulière pour moi, parce que ma maman a été sauvée par des bonnes sœurs, par des prêtres qui l'ont sauvée. Et c'est vrai qu'elle a eu une éducation religieuse qui n'était pas juive, mais une éducation catholique. Et on a toujours su qu'on était juifs, mais ce que je disais au papa de Joël, c'est quand elle perdait quelque chose, elle nous emmenait à l'église, mais ça c'est à Saint-Antoine de Padoue. J'ai même assisté à des messes de minuit. Et malgré tout, elle était toujours dans l'amour. Voilà. Et comme mes grands-parents étaient communistes, j'ai même eu le droit, dans mon adolescence, d'être inscrit au JOC, qui sont les jeunesses ouvrières chrétiennes. Donc, et j'ai eu la chance de rencontrer le papa de Joël, qui a pris tout ça, et qui n'a pas jugé. Merci à tout papa. Je voudrais aussi remercier Anna Zilberstein, qui est mon homologue, qui est vice-président à la commission culturelle et du dialogue interreligieux. Et pour en revenir à ma maman a épousé un monsieur dont la langue maternelle était l'arabe. Il est né en Tunisie, et sa maman, elle parlait arabe, comme moi j'ai appris le français. Et ce mélange d'après-guerre, se sont réunis, se sont aimés, et ils ont fait de leur mieux en voulant réparer leurs erreurs et leurs difficultés passées. Voilà. Et avec tout ça, il y a eu trois personnes, il fallait que je me construise. Et il y a trois personnes que j'ai vénérées, qui m'ont aidé à me construire dans ma jeunesse. Ça a été Robert Badinter, Simone Veil et Elie Wiesel. Ils avaient un peu des parcours un peu assez proches de ces noms. Comme ma mère n'était pas très bavarde sur son passé, il fallait que je me reconstruise sur le passé des gens qui parlaient. Et messieurs le grand rabbin, messieurs, je vous remercie pour tout ce que vous dites, parce que en fin de compte, on est tous des stylos. Et on a besoin d'écrire. On a besoin d'écrire notre histoire, on a besoin d'échanger, on a besoin de dialoguer. Et pour en revenir à Elie Wiesel, c'est un bonheur pour moi de donner la parole à Yves Rouaz, qui est le président de l'Institut Elie Wiesel. Merci. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, chaque année, vous avez fini par le savoir, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier, ce jour 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Nous avons tous en tête les informations qui nous parviennent de par le monde et qui nous rappellent que cette violence existe tout de même pendant ces 24 heures, et je ne veux pas citer les mots d'un président d'un État important qui a fait une menace presque nucléaire pour notre avenir. Pour parvenir à cette paix recherchée par tous, il faut bien plus que déposer des armes et ou de faire des discours. En fait, il faut construire des sociétés où les membres ont le sentiment de pouvoir vivre sans peur. Il faudrait pouvoir arriver à créer une société où les hommes et les femmes sont traités de manière égale, quelle que soit leur race,
quelle que soit leur religion, quel que soit leur sexe, quelles que soient leurs idées. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, les discriminations et les intolérances qui sont liées nuisent non seulement à la vie de ceux qui les subissent, mais aussi à la société dans laquelle on vit. Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute de l'autre, faire preuve de respect de l'autre. En fait, il nous faut bâtir la paix. Ce soir, notre présence à vos côtés dans le cadre de cette journée internationale de la paix, en ma qualité de président de l'Institut universitaire Elie Wiesel, prend tout son sens, tant notre institut, s'il avait une seule raison d'exister, la fonderait sur le concept de la paix. À quoi servirait en effet un corpus des humanités juives qui en embrasse toutes les disciplines, se dote de la possibilité des temps longs avec les cours de l'Institut Elie Wiesel et se donne aussi les moyens, avec les lundis de Wiesel, de faire découvrir, en une série de conférences éphémères, l'ensemble des sciences du judaïsme. Il faut se donner les moyens de faire triompher le savoir sur la méconnaissance de l'autre qui engendre la haine, la cause principale de recrutement des troupes dans toutes les guerres de la planète. Celui qui a donné la légitimité à l'Institut qui porte son nom, Elie Wiesel, a reçu le prix Nobel de la paix en 1986 et non pas le prix Nobel de littérature, car il a été une conscience juive pour l'humanité tout entière. Elie Wiesel était certes un romancier, un poète, témoin de la barbarie concentrationnaire, qui a fait de lui un intellectuel juif à la formation complexe, mosaïque, universelle, talmudique et philosophique. Mais la tragédie qu'il avait vécue, malgré sa dimension unique, ne l'incitait pas à en faire la seule cause digne d'être isolée de toutes les autres barbaries, mais plutôt comme un vecteur qui l'a porté à être un homme de paix, engagé pour toutes les causes dès lors que les hommes de guerre s'en prenaient à d'autres hommes pour les anéantir. Pour chaque acte de violence, pour chaque crime de guerre, Elie Wiesel reconnaissait dans le visage des victimes celui de ses frères et sœurs assassinés durant la Shoah. Sa référence au texte de la tradition juive lui donnait la force de l'universalisme. Riche de ses enseignements et inspiré par sa pensée, réfléchir à la paix nous conduit à prôner la réconciliation entre les hommes. Elie Wiesel écrivait dans « Entre deux soleils » « Je n'admets pas la distinction qu'on a coutume de faire entre l'homme juif et l'homme tout court, un juif qui œuvre pour son peuple, loin de se retrancher de l'humanité, œuvre aussi pour elle. La guerre ne naît pas que sur les champs de bataille. Elle s'insinue dans les sociétés, sur les réseaux sociaux et où l'on n'est plus en mesure d'écouter l'opinion d'autrui. Des conflits humains éclosent des faits insignifiants et s'enveniment, faute d'arbitres, de médiateurs qui auraient aidé chacun des protagonistes à entendre, c'est-à-dire à comprendre le point de vue de l'autre. Le long travail de négociateur, vous connaissez tous, la politique des petits pas de Henry Kissinger, pour entendre chacune des deux parties et la rapporter à l'autre pour la rendre intelligible, pour y faire du savoir et de la culture, du dialogue entre les cultures, l'enjeu même de la médiation. Elie Wiesel savait qu'à côté du rôle de médiateur, il faut aussi être capable de prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Et cette pensée résonne fortement dans les temps conflictuels aujourd'hui. Apprendre, comprendre, échanger, savoir, étudier, s'informer, dialoguer, partager le pluralisme de l'expression pour être réfléchi et avisé, être opposé au repli sur soi et à toute intolérance, ce sont les maîtres mots, qui devraient pouvoir nous mener vers la paix. C'est le message que nous a transmis Elie Wiesel. Et c'est celui que nous sommes engagés à transmettre au plus grand nombre à l'Institut qui porte son nom avec son autorisation de son vivant. À quelques jours de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, anniversaire selon la tradition juive de la création de l'homme, père unique de l'humanité entière, comment ne pas souhaiter à toutes les femmes et à tous les hommes qui constituent cette humanité, Shana Tova, bonne année, une année de paix entre tous les États, entre tous les êtres qui peuplent la planète, et que ce ne soit pas
de 20 mots. Merci. Alors, maintenant, je vais aborder un sujet plus joyeux pour moi. Plus joyeux pour moi, car je vais parler du Rotary et de tout ce que le Rotary m'a apporté, m'a offert. J'ai eu le bonheur de vous expliquer que je venais partout et un peu de nulle part. Et le Rotary m'a beaucoup construit, m'a beaucoup aidé à me construire. Parce que être militant, on peut en parler, mais il faut le vivre. Il y a beaucoup de gens qui disent « je fais ». Et je prends Marie-Laure à témoin, qui fait tellement de choses. Et qui n'agissent pas. Le Rotary m'a appris la rigueur. Le Rotary m'a appris à tendre la main à l'autre, mais de manière différente, de manière... L'humain, le stylo. Je reviens au stylo parce que je vais l'utiliser. Hein, si je peux parler. Et des fois commerciales. Je voulais aussi profiter, puisque je me retourne, nous avons aussi le privilège d'avoir le vice-président des rabbins européens qui s'appelle Moshe Lévin. Je tiens à citer parce qu'il porte le nom de ma maman qui est partie cette année. Et j'ai appris dernièrement que. Vous voyez comme quoi les choses remontent à la surface, que mon arrière-grand-père s'appelait aussi Moshe Lévin. Il est mort en prison. Attention à toi. Et j'ai d'autant plus de bonheur aujourd'hui parce que, comme l'a dit notre gouverneur, cet événement est un peu la suite d'un événement qu'on a vécu il y a une dizaine d'années au cercle militaire Foch. Qui s'appelle l'époque République et judaïsme, et notre ami Bob avait déjà été magistrat, avec fidèle à lui-même, et il a franchement upgradé cette soirée en demandant aux responsables France du Rotary de venir assister, et je tiens à remercier Jean-Marie Lalas d'être présent avec nous, c'est vraiment un grand honneur qu'il nous fait. Chers amis, difficile d'intervenir après de brillants orateurs comme vous l'entendez, mais j'ai bien aimé tout ce qu'ils ont dit parce que je pense que la paix, effectivement, ça se construit dans le respect de l'autre et dans l'écoute de l'autre, et non pas dans l'unité mais dans la diversité. Aujourd'hui, les Rotariens, nous constatons qu'il y a 70 millions de personnes déplacées dans le monde, et je dirais, à cause de guerre, de persécution, de violation des droits de l'homme, et il ne faut pas oublier qu'il y a la moitié qui concerne les enfants. Donc nous, Rotariens, nous refusons cette situation, et le Rotary a la particularité d'agir, c'est-à-dire que nous pensons et nous faisons. Et nous allons voir comment nous le faisons. En fait, le Rotary a été créé, Jean-Philippe l'a rappelé tout à l'heure, par notre fondateur, qui pensait que des professionnels humanistes, des professionnels devaient d'abord avoir des règles de vie. S'il n'y a pas de règles de vie, s'il n'y a pas de respect de l'autre, il ne peut pas y avoir de société qui puisse fonctionner. Et le Rotary, avant la guerre de 1914, a pensé qu'il devait s'impliquer dans la paix. Il l'a même, lors de sa convention d'Édimbourg, avant la guerre de 1940, il l'a même écrit dans ses statuts que le Rotary devait favoriser l'entente et favoriser la paix. Et nous allons voir comment le Rotary l'a fait, ou comment le Rotary le fait, parce que plusieurs orateurs l'ont dit, la paix ne se décrète pas, la paix doit se poursuivre, et c'est, une lutte permanente. Nous pensons au Rotary que si nous créons des instituts et l'entente internationale, si nous créons des lieux de discussion entre des peuples différents, d'origines différentes, de continents différents, nous allons, à partir du moment où on accepte d'écouter l'autre et son point de vue, nous allons construire et participer à la construction de la paix.
Le Rotary a été invité par les Américains à la Constitution des Nations Unies et fait partie et détient aujourd'hui le statut consultatif le plus élevé aux Nations Unies. Ça veut dire que le Rotary a aussi un pouvoir, je dirais, de faire bouger les choses à travers l'organisation qu'est l'ONU. Alors comment le Rotary aujourd'hui fait bouger le monde? Les orateurs l'ont dit avant moi, je pense que la première des choses, c'est la formation. C'est, on ne peut pas construire un monde si on ne participe pas, notamment à la formation des jeunes. C'est pour ça que le Rotary attache énormément d'importance, je dirais, dans ses programmes. Et moi, quand j'étais gouverneur, c'était mon premier programme d'action, et beaucoup de gouverneurs le font, c'est d'abord la jeunesse. Nous avons une responsabilité pour la jeunesse. Si nous voulons que la jeunesse puisse s'investir dans des causes telles que la paix, faut-il encore que nous les aidions? Et nous les aidions comment? À s'installer dans la vie professionnelle, notamment puisque nous sommes un mouvement professionnel. Et nous le faisons de différentes façons. Nous le faisons par des bourses d'études qui sont financées par notre fondation Rotary. Mais nous le faisons également par un des plus beaux programmes que Rotary a pu mettre en place, c'est-à-dire le Student Exchange, c'est-à-dire que nous favorisons, puisque nous sommes présents dans de très nombreux pays, nous envoyons des jeunes de 15 à 17 ans dans le monde entier pour qu'ils découvrent d'autres cultures, d'autres religions, d'autres façons de vivre. Parce que nous pensons que si les peuples se rendent compte, si les peuples se connaissent, eh bien, déjà, ils vont mieux se comprendre. Mais nous avons aussi une action à travers des forums. Nous avons créé des forums sur la paix. Et plus récemment, nous avons créé des centres du Rotary pour la paix. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre du Rotary pour la paix? Il y en a 7 dans le monde. J'étais d'ailleurs au mois de juillet à celui du Tsava. Ces centres, c'est toujours le même leitmotiv, formons. Et là, on prend quand même des professionnels aguerris et formons ces professionnels aguerris à comment construire la paix, c'est-à-dire à réfléchir à des programmes qui leur permettent d'acquérir des compétences pour pouvoir, à travers des organisations internationales notamment, être des facilitateurs de paix. Mais le Rotary, c'est d'abord ses clubs. On n'a pas de club, on n'a pas de Rotary si on n'a pas de club. Et le club, nous en avons 46 000 dans le monde, 46 000 dans 220 pays, et qui représentent 1 200 000 Rotariens. Et ces clubs, ils obéissent, c'est certainement très maladroit, ils suivent la vision que nous avons actuellement du Rotary, c'est-à-dire ensemble. Nous voyons un monde où les gens se rassemblent pour apporter un changement dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Vous voyez, l'ambition du Rotary, elle est forte. On veut des leaders, on veut que ces leaders changent le monde, et on pense en plus que s'ils changent le monde, ils vont changer eux-mêmes. Alors vous allez me dire, mais vous êtes complètement idéaliste, le Rotary, vous n'allez jamais changer le monde. Eh bien, mes amis, nous l'avons fait déjà, puisque nous avons eu une grande maladie qui s'appelle la polio. Et cette maladie, c'est le Rotary qui poursuit depuis 30 ans, eh bien, nous avons éradiqué quasiment la polio sur le monde. Si nous apportons, si nous luttons pour les maladies, si nous apportons aux peuples qui n'ont pas la possibilité, comme nous en France, d'être vaccinés, oui, le Rotary contribue au monde, contribue à changer le monde. Et c'est là toute la force du Rotary, c'est-à-dire que nous avons une fondation très puissante, mais nous avons également des actions donc, internationales, et nous avons des actions qui sont menées par nos clubs. Parce que nous pensons que la paix, ça commence autour de nous, autour de chaque club qui vit dans une communauté et qui va se tourner vers les jeunes qui ont besoin de nous, mais qui va se tourner aussi vers tous ceux qui nous tendent la main, et Dieu sait qu'il y en a, parce que si on ne s'intéresse pas aux autres, on ne peut pas construire la paix. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv pour nous. Soyons des professionnels humanistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cherchons du sens. Et je crois que, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Philippe, je pense aujourd'hui que nous sommes dans un monde matérialiste. Et si ce monde matérialiste ne réfléchit pas et ne pense pas à du spirituel, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et le spirituel, c'est quoi? C'est de commencer à s'intéresser à l'autre. C'est de penser que notre bonheur viendra si l'autre
a, je dirais, des moyens d'être connu. C'est ce que nous poursuivons au Rotary. C'est ce que nous continuerons à faire. Et je vous remercie de votre attention. Liberté, égalité, fraternité. C'est ce que vous avez dû lire en entrant dans la synagogue Nazareth. Je vous conseille de le regarder. Il y a deux salons, un à gauche et un à droite. Et dans un de ces salons, vous y verrez plusieurs choses intéressantes. En l'occurrence, l'autorisation du roi de France pour la construction des synagogues. Le judaïsme et les religions en particulier sont toujours en partenariat avec la République. C'est pas incompatible, pas du tout. La laïcité n'est pas incompatible aux religions, ce n'est pas une vérité. Et ce soir, nous avons le bonheur de... Donc, nous avons un ministre du culte en France, qui est le ministre de l'Intérieur, et M. Clément Rochousse, qui est chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, donc, nous fait le plaisir et l'honneur d'être là au nom de la République française. Merci. Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir d'intervenir dans ce lieu un petit peu intimidant et chargé d'histoire et raisonner le fait qu'on a la chance de vivre dans un pays de pluralisme où ce type d'événement est possible. Ah, j'ai essayé. Donc j'ai le bonheur, depuis 3 ans, de diriger l'administration qui est en charge des cultes. Alors comme vous le disiez, ça manifeste le fait que le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes. Pas ministre des cultes, ministre des cultes sont là. Et moi je représente le ministre des cultes. Le ministre des cultes, il a donc cette administration dont le travail quotidien est le dialogue avec les cultes. Alors c'est peut-être de cette position comme praticien de la laïcité, comme observateur de la laïcité du fait religieux, que je vais essayer devant vous de vous poser la question de ma modeste contribution en qualité de chef de bureau central des cultes à la paix civile. La paix civile, quand on parle de laïcité, on parle nécessairement de coexistence entre les cultes, on parle aussi de rapport entre les pouvoirs publics. Et alors parfois, quand on est quotidien dans le dialogue avec les cultes, on perd un peu le fil, on demande de ce qu'on fait. On a parfois des moments de retour sur la profondeur historique de ce qu'est une mission au quotidien. Alors par exemple, vendredi dernier, j'étais à Paris à une cérémonie de dévoilement d'une plaque à la mémoire des victimes de la Saint-Barthélemy. C'est un moment... où on prononce de discours, où les paroles sont très fortes et où les victimes d'un massacre qui a eu lieu à Paris sont très présentes. Et nécessairement, quand on est un citoyen et quand on fait le métier que je fais, on se pose des questions. Mais quel est le sens de commémorer aujourd'hui la Saint-Barthélemy? Commémorer, c'est faire la mémoire en commun. Qu'est-ce que ça pose comme question sur le métier que je fais? Pour moi, ça pose deux questions. La première, c'est la question du pluralisme. Comment fait en sorte pour que le pluralisme dans une société soit bien vécu. À Paris, lorsque le 20-30 1572, le tocsin a sonné, il y a des Parisiens qui ont tué d'autres Parisiens parce qu'ils n'avaient pas la même religion. La deuxième question que, me semble-t-il, pose un événement comme celui-ci, un événement qui, dans notre histoire, est devenu un mot. La Saint-Barthélemy de quelque chose. C'est un mot terrible. La deuxième question, c'est la question du rapport entre les pouvoirs politiques et les cultes. C'est la question de la liberté religieuse. Pourquoi? Parce que, au moment de la Saint-Barthélemy, alors je laisse ça aux historiens, mais il y a le roi, peut-être, l'entourage du roi, sûrement, qui ont décidé que, en France, le pouvoir politique devait déterminer la religion de ses sujets.
tout ça est débattu, on ne sait pas exactement comment tout ça est parti, et il faut vraiment laisser les historiens réfléchir à ça, mais cette double question m'a sauté aux yeux ce jour-là. Alors la réponse immédiate au Moyen-Âge, c'est une réponse qui est très insatisfaisante. En gros, en Europe, à ce moment-là, c'est plutôt la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance. Deux approches. L'approche, en gros, normalement, le prince détermine la religion de ses sujets, ou alors, la religion détermine la religion du prince, le modèle français. Et ce modèle-là, il pose un problème, parce que ce modèle-là, ce n'est pas un modèle de pluralisme. C'est un modèle qui empêche la coexistence des religions et qui organise l'unification religieuse des pays. Et en fait, cette situation dure en gros jusqu'à la période révolutionnaire. Et la période révolutionnaire, c'est un moment intéressant. Il faut savoir qu'avant l'édit de Versailles, 1788, il n'était pas possible d'avoir un état civil si on n'avait pas la religion d'état. C'est-à-dire que concrètement, les protestants et les juifs n'avaient pas d'état civil. C'est un déni que je trouve très fort, un déni d'existence civile. Et on a tout au long du 19e siècle, et après la période révolutionnaire, une tentative pour ajuster. Et on a ce moment, qui est un moment d'aboutissement, qui est 1905. Alors moi je sais pas, toujours, en ayant beaucoup travaillé sur ce texte, si la loi 1905 crée la laïcité ou parachève la laïcité. Je vous dis que c'est un moment très fort et auquel j'essaye régulièrement de penser pour essayer de comprendre ce qui, dans ce texte, explique qu'on dit aujourd'hui que la laïcité est une valeur fondamentale de la société française. En sachant que la laïcité, en réalité, c'est un principe démocratique. Quand on va dans les autres États de l'Union européenne, quand j'ai le plaisir d'aller discuter avec mes homologues européens, j'ai pas l'impression de discuter avec des États qui empêchent la coexistence ou le pluralisme. Mais il y a quelque chose de différent chez nous. Alors je pense, d'une part, c'est lié à l'histoire, et cette histoire, je vous ai parlé, c'est l'histoire notamment des guerres de religion. Avec l'idée qu'en sortir, c'est tellement miraculeux qu'il faut chérir le principe qui nous permet d'en sortir. Mais c'est, je crois, aussi quelques concepts qui ont été forgés au XIXe siècle et qui doivent aujourd'hui nous faire réfléchir sur la place du pouvoir politique et la place des religions dans la société. Alors, il y en a évidemment beaucoup, mais deux, pour moi, résonnent particulièrement. Il y a le principe de séparation. On a une loi qui s'appelle la loi de séparation. Alors, j'ai beaucoup de réfléchir à ce que séparation voulait dire. Est-ce que séparation, c'est un simple principe de droit ? Est-ce que c'est un principe qui est plus fort dans la société ? Et c'est un petit peu ce que je pense. C'est la séparation des églises et des États, comme le dit la loi, c'est aussi la séparation du sacré et du profane. Les deux pouvant coexister parfaitement. Tout à l'heure a été cité le secours catholique qui a une action profane et l'église catholique qui a une action religieuse. Et le deuxième concept que je trouve très fort et qui est un concept à manier, je crois que tout ça qui fait beaucoup réfléchir à notre pratique quotidienne, c'est le principe de non-reconnaissance. C'est l'article 2 de la loi de 1905 qui dit que la République ne reconnaît aucun culte. Alors, le corollaire de ce principe de non-reconnaissance, c'est le principe de non-méconnaissance. Comme on ne reconnaît personne, on connaît tout le monde. Et c'est, je crois, en ça que le principe de laïcité a apporté une dimension, une forme d'âme supplémentaire par rapport au simple traité de coexistence plurielle. Alors aujourd'hui, dans les conditions contemporaines d'exercice de ce principe de laïcité, j'essaie de l'observer en me disant qu'il faut garder cette dynamique historique, se rappeler d'où on vient, pourquoi ces principes ont été pensés. Ces principes ont été pensés contre la guerre civile. Enfin, c'est parfois un petit peu difficile de se le rappeler quand on s'arrête sur quelques éléments de faits divers. Mais aujourd'hui, il faut continuer à inventer ce principe, continuer à inventer ce principe, et je pense dans une société qui a changé, et qui en particulier par rapport au grand moment d'invention de ce principe-là a changé, pour un élément particulier, c'est que c'était avant un principe de coexistence entre les cultes, c'est aujourd'hui un principe de coexistence entre les cultes, et ceux qui n'en ont pas. Et un des grands mouvements que connaît la société, qui est un mouvement qui n'est pas continu, qui est tendancieux, c'est la sécularisation. Il y a aujourd'hui, c'est les sondages qui nous disent, plus de la moitié de la population qui déclare « je ne crois pas en Dieu ». Donc, la question de la laïcité et de la visibilité du religieux, elle doit se poser aujourd'hui, dans ces conditions.
Et la deuxième mouvement, mais qui n'est pas une nouveauté, mais qui s'approfondit, c'est la question de l'accroissement du pluralisme religieux. Quand on a fait la loi de 1905, on a soldé les comptes du qu'on appelle le concordat. Napoléon a décidé en France, il y a quatre cultes et ils s'organisent de telle façon. Aujourd'hui, combien y a-t-il de cultes en France? C'est pas à l'état de le dire. C'est d'une certaine façon très bien. Donc pour conclure mon propos, qui vous a livré un peu mes doutes et d'une certaine façon mes émotions lorsque on traite de ces sujets et lorsqu'on rencontre la très grande histoire, dans ce qu'elle a aussi tragique. J'ai toujours plaisir à avoir des rencontres comme celle-là. Parce que c'est par la rencontre qu'on crée les liens de solidarité, c'est par la discussion qu'on crée le fait que le pluralisme n'est pas un décret des autorités publiques, mais une volonté de la société. Et c'est peut-être ce à quoi on a participé aujourd'hui, construire lentement, mais sûrement, cette volonté de travailler ensemble, de l'unité, comme le disait le grand rappeur France. J'ai demandé à mes amis Galet Bencher, qui est vraiment formidable, même s'il nous lisait le Baudin, il nous rendrait ça intelligent, c'est impressionnant, et à Monseigneur Gouverny de venir réciter la prière de la République avec moi, et si le rabbin Torfan peut nous accompagner, ce serait un grand honneur, bien évidemment. Parler de mes stylos, puisqu'ils représentent tous les cultes, permettez que je lui offre un stylo 4 couleurs. Sur une prière, on peut se lever, mais il faut faire comme vous voulez. Éternel, maître du monde, ta providence embrasse les fils de la terre, la force et la puissance t'appartiennent, parfois seul, tout seul, tout s'affermi. Ta demeure sainte au Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Amen. Que les rayons de ta lumière éclaire ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. Amen. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang éminent au milieu des nations. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la force, la France et ses valeurs, les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. L'heure est venue de conclure. J'en profite pour saluer les personnalités qui ont la gentillesse de nous accueillir, mais également les autres institutions et fédérations, l'INERWIS, Lions Club, Zonta, IWENIS, Club 41, Sort Optimiste, etc. Soyez tous les bienvenus, nous partageons les mêmes idéaux. Merci à tous pour ces moments exceptionnels que nous avons pu vivre, pour ces témoignages tout à fait particuliers. Merci à tous pour ces apports éclairants. Mais je pense qu'il serait dommage de s'arrêter à cette seule manifestation de ce soir. Si vous êtes venus, c'est que vous souhaitez partager, c'est que vous souhaitez échanger, que vous souhaitez construire avec nous
un idéal pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent, qui ne sont que des victimes innocentes d'atrocités. Alors, le Rotary a besoin d'eux. Et je forme un souhait, ou plus précisément deux ce soir. Premièrement, pour les volontaires qui le souhaitent, venir rejoindre le club que je crée ce soir. Rotary Paris pour la paix. Et c'est mon camarade William Hughes qui aura la lourde tâche de le conduire. Ce club a besoin de membres. Il aura pour but d'administrer année après année toutes les manifestations et actions en faveur de la paix. Ensuite, et avec mon camarade Didier Régnier, je souhaite, grâce à vous, lancer ce soir ce que vous connaissez et que d'autres ont déjà imaginé et qui font recette. Vous avez tous entendu parler du Téléthon. Eh bien, ce soir, le Rotary a protégé à l'INPI 24 heures pour la paix, espoir de paix. Je vous le révèle ce soir, dans chaque ville, dans chaque pays, nous pourrons inviter et initier ensemble ce 24 heures pour la paix qui aura lieu tous les 21 septembre à l'avenir. Et tous les 21 septembre, ce témoignage pour la paix permettra de venir en aide aux plus démunis, de reconstruire ce qui a été détruit, de redonner l'espoir à ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, rejoignez-nous. Partagez vos idées, partagez vos suggestions. Vous serez les pionniers de cette opération. Merci à vous tous et à bientôt.